L'histoire est le récit du passé, enseigne les livres du goût primaire. Cette histoire ne bégaye-t-elle pas une nouvelle fois au Togo? Mesdames, messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au D12 de Pyramide FM. Nous sommes le dimanche 1er mars 2020. Le 5 octobre de cette année, le Togo va célébrer le 30e anniversaire de son entrée en apprentissage démocratique. Sous quel signe cet anniversaire sera-t-il observé? En sortant dans les rues ce vendredi-là, les Togolais contestaient le régime du général Yadema. Ils voulaient l'alternance au sommet de l'État et il fallait passer par les urnes. Une première fois, une seconde fois, une troisième fois, puis une dernière fois le samedi 22 février, ils sont allés dans les centres de vote. Résultat officiel, 72,36% pour le Parti uni, issu de la fusion-création. Fonia Singwe, selon les chiffres de la CENI, gagne le scrutin au premier tour avec un score prédit par le ministre Bawara. Une victoire nette, claire, incontestable et irréprochable, d'où la série de questions qui se sont alignées depuis quelques jours, fondant le lit de la nouvelle contestation. Les 72,36 ne sont-ils pas trop élevés dans un petit pays qui sort à peine d'une grave crise sociopolitique? Les Togolais de Lomé, d'Agwenivé, de Palimé, d'Agné, de Sokodé, de Bafilo ou encore de Mango ont-ils tourné la page puisqu'ils avaient durement subi cette crise? Le Togo serait-il incapable d'organiser un scrutin incontesté, comme en 1998, puis plus tard, en 2005 ou en 2010 ou encore en 2015? Le nouveau processus électoral au Togo bute à nouveau sur les résultats. Point essentiel durant toute élection, les résultats de cette année ont été donnés seulement 24 heures après la tenue du scrutin, d'où là aussi des questions: comment la CENI a-t-elle procédé? Comme dans les grands pays, doit-on applaudir ce qui est apparu comme une véritable prouesse? La CENI a-t-elle été à la hauteur? La nécessité de la mise en place d'une CENI technique demeure-t-elle d'actualité? L'actualité, c'est la deuxième place de Mensah Gbeome Kodio, premier du scrutin entre 57 et 61% des suffrages selon des chiffres de l'opposant. Le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo, dispose-t-il réellement des vrais chiffres issus des bureaux de vote? En s'autoproclamant vainqueur de la présidentielle dès le premier tour, l'ancien Premier ministre n'a-t-il pas ouvert là une crise post-électorale? Comme lui, d'autres candidats ont rejeté les chiffres du 23 février 2020. Comme lui, l'ambassade américaine a émis des doutes, tout le contraire de plusieurs missions d'observation électorale dépêchées au Togo. L'Union africaine puis la CEDEAO sont satisfaites. Comment partage-t-on ces satisfaits et ces réserves à unir? Depuis dimanche, c'est la fête autour de Fonia Singbe, mais au-delà de cette élection togolaise, le monde n'est pas à la fête. Le coronavirus poursuit sa progression dans le monde. Un premier cas à côté, à Lagos, au Nigeria, jette un froid, pas 7 ans très chaud sur les capitales africaines. L'invité du jour est Aimé Goguet, président du parti Adi et candidat à la présidentielle de samedi dernier. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas, une émission que vous pouvez également écouter en direct sur www.radiopyramidefm.tg. Professeur Aimé Goguet, bonjour. Bonjour, Pierrot. Comment vous allez? Très bien. Nous sommes au lendemain d'une nouvelle élection présidentielle au Togo et je le disais dans l'introduction, on a l'impression que l'histoire est en train de se répéter au Togo. Oui et non. L'histoire se répète dans la mesure où la CENI et les institutions commencent à proclamer les résultats et des résultats avec lesquels nous ne sommes pas du tout d'accord. Ça, c'est vrai. Mais j'espère que non, parce que il est difficile d'accepter ces résultats, ce énième coup de force. C'est ça qui est peut-être le non, qui est le non. Mais le oui, ça semble être la même chose par le passé. Ce que vous venez de dire, c'est du déjà entendu aussi, de la bouche de Jésus-Christ Olympio déjà en Oui, bien sûr, 1990. bien On sûr que. a eu la même chose. Bien sûr, c'est la même chose, mais j'ose espérer que cette fois-ci, avec ce qui s'est passé, c'est très difficile d'ailleurs d'appeler ça comme élection. Si on est honnête entre nous, on ne peut pas appeler ça élection dans la mesure où la violence, les fraudes, les bourrages, ça s'est généralisé un peu partout dans le pays. C'est la première fois que cela se passe ainsi. Cette violence qu'a démontré les partisans d'UNIR, ce n'est jamais, ça ne s'est jamais passé ainsi dans le pays. Quand vous parlez de violence, vous faites allusion à quoi? Parce que Moi, globalement. écoutez, j'ai eu un de mes militants qui est décédé dans l'Oti Sud-Ouest. Il a été poursuivi par des militants d'UNIR, il a fui, il a fait accident, il est décédé, je crois, avant-hier. J'ai eu une militante, c'est passé sur les réseaux sociaux, une femme qui a été battue par 8
8 militants d'unir. Ça, c'est des violences. Les cas peuvent se multiplier indéfiniment. J'ai eu des neveux, des cousins qui ont été tabassés, qui ont été menacés de tabasser, etc. Ça, c'est un cas. C'est unique. On ne peut pas accepter ça. Oui, mais en fait, ce que vous dites là, c'est quand même nouveau pour nous parce que jusqu'à présent, globalement, la force chargée de sécuriser le scrutin dans ses comptes rendus a dit globalement que tout, oui, mais tout, tout se passe bien. Généralement, globalement, mais il faut voir. C'est comme les Sénégalais ont l'habitude de dire le chef bien, ça va, mais c'est dans le détail que se trouve le problème. Mais effectivement, dans beaucoup de coins, vraiment, ces élections, j'ai honte pour le Togo et j'ai pitié en même temps pour le Togo. Ce qui s'est passé, c'est totalement inadmissible. On ne peut pas accepter dans un pays moderne que des choses comme ça se passent. Que Uni gagne, si c'est gagné normalement, je crois que moi-même, je serai le premier à appeler son candidat pour le féliciter. Mais ce qui se passe, ce qui s'est passé le 22 février, il m'est très, très difficile de l'accepter et de vivre tranquillement en pensant que c'est mon pays, le Togo, c'est dans mon pays, le Togo, ça s'est déroulé. C'est très difficile pour moi de l'accepter. Et j'ose espérer que beaucoup de Togolais ne vont pas l'accepter. Cela dépasse même le cadre politique. Ça va même dans la vie morale, dans la moralité, dans les relations, les rapports qui doivent subsister entre nous, les Togolais. On ne peut pas admettre que des jeunes entrent dans les bureaux de vote, tabassent d'autres et qu'on les jette comme des sacs de sable au vu et au sud de tous les Togolais, c'est pas normal. Ça. Oui, mais ce que vous dites, il y a eu quand même beaucoup d'observateurs qui étaient là. Et combien d'observateurs? Visiblement, moi, j'en ai pas vu tellement. Et chez moi, dans la région de Savane, j'en ai pas tellement vu. Et vous savez qu'on a rejeté plein d'observateurs, que ce soit les Américains, que ce soit Justice, que ce soit comment on appelle ça, pour le Togo, la CNC, la par CNC, exemple. Combien d'observateurs va rester? Les observateurs de l'OIF est venu chez moi, ils m'ont dit qu'ils ont parcouru Lomé, les alentours de Lomé, c'est ça, observer. Et moi-même, j'ai déjà fait des missions d'observation, je sais de quoi je parle. Quel est votre sentiment à ce moment-là? Parce que les élections ont eu lieu, ça fait juste une semaine, on a les résultats. Dans quel état vous vous trouvez? Parce qu'on sait que vous avez été candidat. Non, j'étais vraiment, je suis très très déçu de ce qui s'est passé. C'est ce que je vous dis. Nous avons cru. Vous savez, si vous avez parcouru les réseaux sociaux quelques semaines ou quelques mois avant ces élections, peu de Togolais croyaient à ces élections comme moyen de résoudre la crise. Nous avons pris le risque parce que nous pensons qu'étant parti politique, il faut aller aux élections pour déterminer le vainqueur, pour déterminer le passage de témoins entre bon, l'ancien régime et le nouveau régime. Mais que le régime gagne, que Faure gagne, bon, Faure, nous n'étions pas tellement d'accord pour qu'il soit candidat, mais qu'il gagne proprement, nous sommes d'accord. Bon, ce serait difficile. Bon, nous serons un peu déçus, mais nous sommes obligés de faire face aux résultats que nous avons. Mais ce qui s'est passé, vraiment, Pierrot, pour moi, ce ne sont pas des élections. Est-ce que vous dites en ce moment précis qu'il ne fallait pas, vous personnellement, qu'il ne fallait pas y aller? Non, 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 je suis pas je suis convaincu que nous avons fait la bonne chose. Ça a montré à la face du monde ce que c'est ce régime, ce que ce régime est en mesure de faire. Et les Togolais sont appelés à leur responsabilité pour démontrer qu'ils ne doivent pas accepter ceci. Ce n'est pas normal. Il y a quand même une sorte de constante dans le jeu politique togolais. Et quand on prend 1998, quand on prend 2005, 2010, 2015, et les élections sont toujours suivies de contestations. Comment comprendre une telle constante? Non, c'est très facile à comprendre. Je crois que nous sommes dans un système, eux, ils ne croient pas aux élections. Pour eux, les élections, c'est pour valider ce qu'ils veulent faire. Et en même temps, les populations togolaises pacifiques qu'ils sont, et qu'elles sont, elles pensent que nécessairement il faut des élections pour départager, pour déterminer le futur. Et ça, moi, je l'admire beaucoup, cette population qui croit aux élections en dépit de tout ce qui se fait. Pour nous, c'est très simple. Nous contestons les résultats. Nous disons que Faure n'est pas élu, compte tenu de ce qui s'est passé. Pour nous, il faut reprendre complètement ces élections. Mais s'ils pensent qu'il est élu, mais on dit que tu as volé, on dit qu'il y a bourrage d'urne, mais allons-y, vérifions si oui ou non il y a bourrage d'urne. À ce moment, je crois que c'est une façon de rétablir la vérité des urnes. Et je crois que tous les Togolais sont pacifiques et pardon très vite. Et je crois que ça peut avancer et le Togo aura... Vous dites que Faure n'a pas gagné les élections et qu'il faudrait reprendre tout. Est-ce que cela veut dire que personne n'a gagné cette élection? Et la probabilité, en tout cas, disons qu'il n'ait pas gagné, ça c'est très élevé. La probabilité qu'il n'ait pas gagné est très élevée. Mais s'il n'a pas gagné, c'est sûr que probablement Kodjo a gagné. Sinon, au moins, on devait aller au deuxième tour. Mais compte tenu des fortes irrégularités qu'il a eues, pour nous, a dit, je crois qu'il vaut mieux reprendre ces élections pour établir la vérité et que les Togolais s'expriment normalement et que celui qui gagne, bon, on l'applaudisse et puis on avance. Comment comprendre que de tout temps, le processus politique togolais, le processus électoral se déroule
sans anicroche, vous avez évoqué les quelques cas de violence qui ont eu lieu le jour du vote et au lendemain. Et très souvent, c'est au tout des résultats qu'il y a des problèmes. Mais bien sûr, parce que le vote se déroule généralement de 6h30 à 16h. Mais généralement, les problèmes commencent à partir de 14h, lorsqu'on veut clôturer, lorsqu'on veut faire le dépouillement. C'est à partir de ce moment que les problèmes commencent. Et généralement, nos concitoyens, disons que les militants de l'opposition, c'est généralement dans l'esprit d'un bon déroulement des élections. Par contre, nos concitoyens d'Unir sont dans l'esprit de frauder. De frauder à tout prix et de faire gagner leur candidat à tout prix. Comment dans un pays, je ne comprends même pas ça, ce n'est pas question d'élection, c'est question de conduite morale. Comment vous pouvez admettre à tout prix que vous pouvez avoir recours à tout un système pour gagner à tout prix? Ce n'est pas normal, nous ne sommes pas dans la jungle ici. Il y a des règles qu'il faut respecter, c'est ça le problème. Nos gens, nos militants, généralement, on leur dit comment se comporter pour la vérité des urnes. Eux, ils apprennent, leur campagne se limite à apprendre à leurs militants comment faire pour frauder, pour gagner. Non, mais en fait, ce que vous dites aussi, est-ce que c'est pas tout gros? On Non, mais a quand même vu la campagne c'est électorale. très simple. Je dis, il y a les urnes. On n'a qu'à regarder dans les urnes ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'on demande. S'ils sont convaincus qu'ils ont gagné, je ne vois pas pourquoi ils hésitent à dire que non, on ne va pas regarder les urnes. Non, on a vu la campagne électorale, on a vu toute cette forte mobilisation Est-ce autour que du vous avez vu la candidat. campagne électorale? Mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai fait la campagne électorale. Chaque fois qu'on veut faire un meeting, soit on nous dit qu'Unir a demandé, soit leurs gens rôdent autour. Et vraiment, c'est parce que nous avons Non, mais été en fait, patients. vous êtes en train de mettre en cause Winnie. Je parle de Winnie, puisqu'on a Oui. vu le candidat de Winnie sur le Oui. terrain. Il y a eu quand même une forte mobilisation Combien de autour de décès y sa a eu? personne. Combien de décès y a eu? Combien d'écoles ont été fermées pour qu'ils fassent ces meetings? Est-ce que vous le savez? Ensuite, vous savez, les troubles, les problèmes qu'on a eu, moi-même, j'ai eu des problèmes. Parce que lorsque, c'est partout ça, lorsqu'on veut faire un meeting, vous voyez à côté, d'abord on dit non, que les gens du NUS sont venus, viennent, ont déjà pris la place. Même si on arrive à trouver des arrangements pour qu'on déplace, on les voit, ils viennent tourner autour pour faire du bruit. C'est ça, se respecter dans un pays pour une campagne tranquille? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que vraiment, il faut que. Et ça, moi, je dis que ce n'est pas politique. C'est question d'éducation. On peut pas. Comment Unir peut penser diriger normalement ce pays en éduquant une forte proportion des jeunes à aller voler, à frauder, à violenter? Ça, c'est moral, ça. Ce n'est pas seulement politique. Nous devons nous poser des questions sur ce qu'on veut de ce pays en incitant les jeunes à la violence. Non, ce n'est pas normal. On vous a vu sur le C'est terrain et ce n'est pas la ça. première fois que vous Ouais. participez à une élection présidentielle au Togo. En termes de comparaison, quel est votre positionnement? Quel positionnement donnez-vous à cette élection qui vient de finir par rapport aux Non, autres comme auxquelles vous je avez disais, pris j'ai fait part? campagne en 2015, j'étais candidat. Même durant toutes les élections, j'ai toujours fait campagne Ah pour ouais, les élections même dans les présidentielles. coalitions. Dans les coalitions, généralement dans les coalitions, sauf en 2015 actuellement. C'est ce que j'ai vécu cette année, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est parce que les gens de l'opposition, contrairement à ce que Unir dit partout, nous voulons la paix, la sécurité, les candidats, les jeunes de l'opposition sont entraînés à respecter les autres. Mais je ne sais pas jusqu'à quand ça peut continuer. Si les autres, si nos jeunes, ou bien nous formons le jeune pour résister à ça, ça va entraîner de la violence dans ce pays. Nous, pour le moment, je demande, moi personnellement, je demande à ma jeune de demeurer tranquille et suivre la loi. Mais à un moment, on ne peut pas continuer, qu'on continue à nous marcher sur les pieds tout le temps. Et puis, on ne peut pas contrôler. Nous aussi, nous pouvons avoir des éléments non contrôlés. Depuis dimanche, on s'intéresse beaucoup plus aux chiffres qui ont été donnés par la CENI. D'abord, la célérité avec laquelle la CENI a donné les résultats, cette célérité-là a surpris dans certains milieux. Est-ce que cette célérité vous a surpris également? Cela m'a surpris parce que et cela m'a surpris dans la mesure où ça a été précipité. Les gens ont fini de commencer à faire les compilations dans la journée parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Et rapidement, ils viennent publier des résultats. Si vous voyez dans certains résultats compilés par la préfecture, c'est alarmant. Dans beaucoup de cas, c'est 115% de taux de. Bon, d'élection, de suffrage pour fort, ce qui est quand même. Ils auraient pu prendre le temps d'arranger un peu les chiffres. Je crois que ça nous a surpris. C'est bon, si c'était. Ils ont fait ce travail normalement et que c'était, les chiffres étaient corrects, oui. Mais donner 115% dans une préfecture, c'est complètement aberrant. Oui, vous avez un représentant à la CENI. Oui. Vous avez un représentant à la Oh. CENI. Est-ce qu'il a participé à tout ça?
Encore, voilà une irrégularité. D'abord, on l'envoie au Maroc, mais j'ai téléphoné au ministre Mais de je justice. comprends pas. Ah non, non, non. Parce qu'ils disent, j'étais en route pour la campagne à Dakar, quand ils m'appellent, écoutez, président, je suis désigné pour aller au Maroc. J'ai dit, mais pour faire quoi? Il dit, mais pour surveiller les élections. Je dis, il y a combien d'électeurs au Maroc? Moins de 150. Alors qu'il y a des millions au Togo. Alors, je dis, mais c'est aberrant, ça. J'appelle le ministre de l'administration territoriale, je ne l'ai pas. J'appelle le président de la CENI. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, tout électeur a droit à voter. D'accord? En outre, tout électeur a droit que ces élections soient correctes. Oui. Alors, pourquoi vous envoyez mon gars au Maroc lorsqu'il y a moins de 150 électeurs? Ensuite, vous envoyez celui du MPDD. C'est nos deux candidats, nous deux seuls qui avons des membres dans la CENI. Il envoie en RDC. Je ne pense pas que là, il soit 500 candidats. Alors, il balbutiait, je dis, mais c'est totalement anormal, ça. Vous ne devez pas les envoyer. Il y aura beaucoup de candidats. Et il y a d'autres Beaucoup de partis, délégués. beaucoup de membres de la CENI. Et puis, il y a d'autres partis qui n'ont pas de candidats. Envoyez les gens là-bas. Il n'a pas pu répondre. Ensuite, ça, ce qui est mauvais, parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, on dit. La CENI doit proclamer les résultats provisoires en ayant les PV physiques. C'est lorsque nos gens, dans mon cas, mon délégué était au Maroc, à l'aéroport, qu'on disait qu'on allait publier les résultats. Donc, il n'a pas ramené, l'ambassadeur du Maroc, qui est le président de la CENI là-bas, n'a pas ramené les PV physiques avant que la CENI ne proclame les résultats. Donc, violation des règlements de la CENI elle-même. Dans tous les cas, on a quand même des chiffres. Je vais les rappeler pour ceux qui n'ont pas jusque-là. Fornia Simbé, il a crédité de 72,36%. Agbemé Kodjo, 18,37%. Jean-Pierre Fabre, 4,35%. Aimé Goguet, 2,38%. Komi Olu, 1,14%. Georges Koessan, 0,77%. Et puis Tchassona Traoré, 0,63%. Un regard sur tous ces chiffres que je viens de Là, reprendre. je vous le dis, personnellement, si je perds, moi je suis sportif, hein, j'ai été sportif, si je perds dans un match, ça ne me gêne pas si je vois normalement les choses. Mais je dis, il y a eu pourra dur. Il est probable que j'ai perdu normalement si les élections étaient correctes. La probabilité que je perde est élevée. Mais je veux que les chiffres soient corrects. On vous dit qu'il y a bourrage. J'ai assisté et on a vu, il y a beaucoup de témoignages de bourrage. Nous avons procédé, vous savez, notre deuxième communiqué disait donnait la méthodologie pour vérifier si oui ou non il y a bourrage. Vérifiez ça et puis donnez les chiffres Mais comment est-ce exacts. qu'on peut vérifier s'il y a C'est bourrage ou très pas? simple, c'est très simple. Vous prenez une urne, d'accord? Dans chaque urne, les bulletins par candidat sont. Il y a des lots, on a fait des lots par candidat. Donc, dans l'urne, supposons d'un bureau de vote à Dapan, il y a les bulletins de vote pour Faure, il y a un lot pour Goguet, un lot pour Aguéoumé, etc. On prend le lot de Goguet, d'accord? On compte, on trouve, s'il y a deux bulletins qui ont la même empreinte digitale, on élimine un bulletin, on garde un, puisque chaque individu a droit à un vote. S'il y en a 10, on élimine 9, on garde un. Vous voyez, c'est très simple, ça se fait très rapidement, ça. Vérifier si les empreintes sont les mêmes avec une loupe, on le fait facilement. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Non, mais en fait, vérifier chaque bulletin avec vérifier les empreintes digitales, ça prend du temps. Quel temps? Oui, mais si on veut la stabilité de ce pays, d'abord, quel temps ça va prendre? Nous disons qu'il ne faut pas. On prend seulement un échantillon. Un échantillon, le tiers, c'est scientifique. Si on prend le tiers, ça donne de bons résultats. Si à un moment, on trouve qu'un seul individu a voté 100 fois, évidemment, on élimine 99, on garde un. Moi, je ne vois pas pourquoi une île dit que non, il n'y a pas de bourrage et ne veut pas. Et ça va tranquilliser tout le monde. Quand vous parlez de bourrage du Nord, Oui. vous avez été témoin vous-même. Non, mais mes délégués, mes responsables me l'ont dit. Est-ce qu'ils ont pris des photos? Ils ont eu des vidéos? Bon, il y a des photos, il y a des déclarations. Oui. Mais vous savez comment. Vous ne vous rendez pas compte de la violence qu'ils ont eue. Ils ont tapassé des gens, les obligeant à signer des PV. Des gens ont fui. Je vous ai dit, j'ai perdu un militant dans ce cas. Oui, quand vous dites que les gens ont fui les centres de vote, On les mais a non, fait non, non, sortir. normalement, dans chaque centre de vote, il y a une présence policière.
Parfois, les gens du Nil ont été aidés par la présence policière. C'est regrettable de le dire. Nous présentons notre force armée. Il faut réfléchir beaucoup sur la mission. Non, mais en fait, Non, ça aussi, ça s'est c'est quelque chose passé. de nouveau, ce que vous nous C'est appelez. pas, c'est pas, c'est pas du tout Non, nouveau. mais en fait, puisque la mission des soldats dans les centres de voûte, c'est sécurisé. C'est sécurisé, effectivement. Malheureusement, c'est ce que nous avons dit à nos militants avant les élections. Nous leur avons dit, écoutez, s'il y a des problèmes que vous avez, résistez et appelez au secours les forces de sécurité. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les forces de sécurité, soit n'ont pas bougé, ou bien sont venues aider plutôt les gens du Nil. Mais quand on parlait de brouillage du nez aussi, de suffrage exprimé, c'est vrai qu'on a vu les quelques chiffres qui ont été distillés ici et là, on en a vu qui ont dépassé Les les 100%. 100%, notamment dans certaines régions, y compris les régions qui sont proches de votre lieu d'origine. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Notamment, par exemple, au niveau de la Sili de Sinkassé. Ce qui s'est passé à la série de Saint-Cassé, ils ne sont pas les seuls. Saint-Cassé, Autun-Nord, une partie de Pendjal, et même dans certains coins au sud, un Toum, Niamtou-Fergou, etc., c'est abominable. Des maires, des commissaires, des préfets, des chefs cantons menacent les jeunes. Évidemment, c'est un problème. Il faut une éducation pour cette jeunesse. La jeunesse doit savoir que la liberté s'acquiert de haute lutte. Je disais à des gens, ils n'ont qu'à revoir l'histoire de l'Afrique du Sud ou bien des Noirs américains. Donc c'est eux qui menacent, ils rentrent, ils font sortir nos membres du bureau de vote, ils les font sortir et après ils les remplacent par d'autres et ils ont la latitude de mettre les bulletins de vote dans l'urne. Donc la seule chose de le faire, c'est très facile. Prenez des bulletins, faites un échantillonnage d'urne, vous les enlevez, vous enlevez le lot de chaque candidat. Vous voyez des candidats où il y a plusieurs votes identiques. Vous éliminez ces votes identiques, vous gardez un et l'affaire est faite. Quand on voit 102%, 105%, et concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour le Togolais lambda? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que cela peut supposer que ceux qui ont voté ont dépassé ceux qui se sont inscrits pour Mais bien voter? sûr. Bien sûr, ceux qui ont voté dépassent le nombre de ceux qui sont inscrits. Ça veut dire que des gens, évidemment, ce qu'il faut voir même, ce n'est pas le nombre d'inscrits, il faut voir le nombre d'émargés. Encore, c'est encore pire. Parce que le nombre d'émargés donne le nombre de gens qui ont voté. Vous comprenez? Qui ont voté dans le bureau de vote. Parce que chaque personne émarge une seule fois. Une personne ne peut pas émarger 100 fois. Mais on voit le nombre d'émargés par rapport au nombre de votants, on verra que le frère est armé, qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous votez, vous émargez? Ou bien vous êtes inscrit avant de voter. Si on prend seulement le nombre d'inscrits et le nombre de votants, bon, les gens votent, mais après, il y a d'autres personnes qui remplissent, qui votent sur certains bulletins de vote qu'on ajoute. Donc, c'est des votants artificiels. C'est là qu'on parle de bourrage d'urne. C'est ça. Vous avez dit tantôt que vous avez un sentiment de honte pour ce qui concerne ce qui vient de se passer. Vous n'êtes pas seul à participer à cette élection. Il y a par exemple Faure Gnassingbé qui a été déclaré vainqueur. On a vu tout son sourire le dimanche dernier à la proclamation de ses résultats, sa joie d'être réélu à la tête du Togo. Selon vous, dans quel état doit-il se trouver depuis que ces résultats-là sont une nouvelle fois contestés? Ah non, vous dites que lorsque vous gagnez 100, à 200, non, ça passe plutôt. Lorsque vous gagnez et tout le monde conteste, je crois que vous devez réfléchir par vous-même. Parce qu'en principe, quatrième mandat, bon, qui est de trop d'ailleurs, on l'a dit souvent, on n'a pas que lui-même, de lui-même, il va savoir, même si la loi l'autorisait, il devait sentir que c'est de trop. Il s'est présenté, en principe, il devait gagner sans contestation. À partir de là, il a la possibilité de gouverner sans problème. Mais lorsque les gens contestent, vous-même, vous devez avoir honte de vous-même. Mais en fait, quelque part aussi, on parle de mauvais perdants, puisque c'est aussi une tradition au Togo que Non, chaque au fois les Togo, élections oui, soient à chaque... contestées. Mais dans la mesure où il n'y a pas eu d'élection correcte, comment parler de mauvais perdants lorsque le processus électoral même n'est pas correct et le jour de l'élection même, on change tout. Si, moi je vous dis hein, clairement, si c'est correct, moi la première élection législative à laquelle j'ai participé, j'avais perdu. J'ai reconnu effectivement que j'ai perdu. Évidemment, j'ai appris par après comment j'ai perdu. Bon, mais malheureusement, je l'ai déjà reconnu. Mais si je perds,
Tu vas jouer à un match de football, je perds, je félicite l'adversaire. Ça, pour moi, c'est très simple. C'est d'accord que l'enjeu est très important dans le cadre des élections, mais je considère ça comme un match. Si je perds, je dois le reconnaître, mais il faut que les règles soient respectées. Certains de vos compères de l'opposition, c'est vrai qu'ils ne se moquent pas de vous, mais ils disent qu'ils vous avaient prévenu Ça, c'est que... du n'importe quoi. Ça, totalement, je n'admets pas ça du tout. Mais je ne peux pas admettre que des Togolais. Que des Togolais restent chez eux, dire qu'ils avaient prévenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, dans la vie, ça me choque tellement que je perds mes mots. On ne peut pas, un être humain ne peut pas admettre que des jeux sont faits. Je ne peux pas l'admettre des Togolais, surtout dans la situation qu'on vit. Évidemment, c'est très facile de dire, je vous avais prévenu qu'il fallait parler à ces élections. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On leur a toujours demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Eux, tous sont actuellement, je suis sûr que tous reconnaissent que c'était une bonne chose d'être parti à ces élections. Malheureusement, les résultats proclamés ne sont pas ce qu'on voulait, mais il faut qu'on se mette ensemble pour que la vérité des urnes soit établie. On ne doit pas laisser ça se passer ainsi. Alors, nous l'avons dit, il y a des conditions qu'il fallait remplir, nous n'avons pas réussi compte tenu des conditions à les remplir, ils ont déclaré de mauvais résultats, mais il faut que tous les Togolais qui veulent l'alternance se mettent ensemble pour réclamer la vérité des urnes. On ne peut pas. Bon, nous, on dit souvent, c'est que le parcours qui me reste est plus court que le parcours que j'ai déjà effectué, mais je ne peux pas laisser un Togo en héritage, ce Togo-ci en héritage à mes enfants et mes petits-enfants. Ce n'est pas possible. Quand vous dites qu'il faudrait se mettre ensemble pour réclamer la vérité des urnes, hein, et concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Puisque se mettre ensemble, Ça, c'est... écoutez, écoutez, il y a des règles. Nous avons revendiqué quelque chose. La loi n'interdit pas qu'on vérifie ce qu'il y a dans les urnes, n'est-ce pas? La loi ne l'interdit pas. C'est que on dit souvent que le vieux connaît des choses, mais. En fait, un vieux qui est assis voit plus loin Oui, qu'un c'est ça. jeune qui est debout. En fait, c'est comme ça que ça se dit l'adage. Si j'étais jeune, je devais aller là où les urnes sont stockées pour qu'on refasse le recours. Les jeunes doivent aller là où les urnes sont stockées. Les jeunes doivent décider d'aller là où les urnes sont stockées pour qu'on montre qu'il n'y a pas eu vérification, qu'il n'y a pas eu pourrage d'urne. Ça, c'est un appel que je lance aux jeunes. Ils ne peuvent pas rester là-bas et dire les leaders n'ont qu'à. Voilà un appel. On ne peut pas laisser ça se passer. C'est inadmissible. Et chaque année, c'est la même chose qui se répète. Il faut qu'ils sachent qu'une fois, ça doit cesser. S'ils ont gagné, il n'y a pas de problème, on va applaudir. Et nous tous, nous serons, même si on n'était pas d'accord qu'il y aille aux élections, on va être derrière lui pour que ça avance. Il y a eu un autre candidat qui était à cette élection et qui revendique la victoire aussi. Qui revendique lui carrément la victoire. C'est Agbéme Kodjo. Il dit que c'est lui qui a gagné cette élection au premier tour. Est-ce que vous croyez à cette affirmation? Bon, c'est tel que nous disons, c'est très simple, hein. Si on vérifie, je l'ai dit, hein, dès le début, dès le lendemain des élections, que. Ou bien c'est le soir, je me rappelle plus, au moins au plus tard dès le lendemain, qu'il a fait une percée qui est admirable aussi dans la région maritime et dans le Grand Lomé. Ça, il faut le reconnaître. Même si cette percée n'atteint pas les performances de l'ANC, mais il faut reconnaître qu'il a dominé dans cette zone. Bon, évidemment, dans la région des plateaux aussi, il a bien fait, mais le nord était, les trois régions du nord, Centrale, Kara et Savane, étaient bouclées. Bon, donc, Non, mais de boucler. pardon? Quand vous dites boucler. Ça veut dire que et tout ce qui s'est passé là-bas, c'est totalement inadmissible. Donc, là, on ne connaît pas le résultat. C'est pourquoi je pense qu'en établissant la vérité des urnes, on peut confirmer ou affirmer qu'il a gagné les élections. Mais je ne suis pas sûr qu'il faudrait gagner les élections dès le premier tour. Ça, c'est impossible. Ce que vous demandez, la vérité des urnes, vous avez un soutien de taille. Et ce soutien de taille vient de Washington. Les Américains pensent qu'il faudrait recompter les bulletins bureau de vote par bureau de vote. C'est quelque chose que vous applaudissez. Vous savez, nous l'avons réclamé lorsque nous avons rencontré, je crois que c'est dans la même situation que les autres candidats de l'opposition, lorsque nous avons rencontré le groupe des cinq, nous leur avons dit qu'une de nos revendications, c'est la proclamation des résultats une par une. Bureau de vote par bureau de vote, c'est la même chose. Mais ce que nous réclamons va plus loin, c'est-à-dire la vérification de ce qu'il y a dans les urnes. Parce que vous savez, dans certains cas même, bon, même ce que nous revendiquons ne permet même pas d'établir les choses, mais au moins nous disons que c'est une grande avancée. Mais les bulletins de vote des gens qui ont voté pour nous, on a carrément déchiré ces bulletins. On ne les a pas introduits dans l'urne.
Mais nous disons, ok, ça ne sent pas grave. Moi, croyant, c'est qu'il y a dans les yeux. Ouais. Il y a trois étapes. L'exigence des États-Unis d'Amérique, bon, nous l'avons exprimée lorsque nous les avons rencontrés avant les élections. Mais ce que nous demandons, la vérification dans les urnes, de ce qu'il y a dans les urnes, ça va un peu plus loin. Au moins, et même le fait qu'on ait déchiré nos bulletins de vote, et je suis sûr qu'on a fait la même chose pour d'autres candidats de l'opposition. C'est ça que, si on avait tout ça, on aurait pu rétablir la vérité. C'est pourquoi nous disons que ces élections vraiment ne constituent pas des élections. Il faut avoir le courage de le dire. L'intervention américaine dans cette élection est considérée au niveau du pouvoir comme une ingérence. C'est Ingérence vrai? du n'importe quoi, du n'importe quoi. Non, vous voyez, nos pays africains. Moi, j'ai rencontré les gens de l'UF. Je leur ai dit, j'étais tellement choqué, bon, de les rencontrer parce que j'avais honte de parler. C'était des Africains. J'avais honte de leur parler. J'ai honte de la CEDEAO, de l'UEA. Je leur ai dit, nous sommes des Africains. C'est comme si on ne veut pas du tout que notre continent avance. Surtout les pays francophones. Mais c'est désolant. Pour nous, ok. Mais pour les jeunes qui viennent, c'est totalement inadmissible. Pourquoi ingérence? Lorsqu'ils luttent pour avoir le MCC, le Millennium Challenge, ce n'est pas l'ingérence. Ce n'est pas de l'ingérence. Ils sont prêts à avoir les dollars des Américains. Ils ne sont pas prêts à respecter les normes internationales. Ça, ce n'est pas de l'ingérence. C'est du n'importe quoi. Il faut qu'ils soient conséquents vis-à-vis d'eux-mêmes. Je suis, moi, vous savez, moi, je suis beaucoup. Je vais même plus loin que dans soit de la souveraineté. Je suis très pour la souveraineté. Mais en même temps, il faut respecter des règles. Moi, j'ai travaillé sur l'aide. Ma thèse a porté sur l'aide internationale. Donc, je sais que dans ce cas, il y a de l'ingérence. Mais il faut que vous vous comportez comme quelqu'un de normal. Mais ce n'est pas la peine de traiter vos habitants, vos cohabitants, de vos citoyens comme de n'importe, comme des bêtas électorales et dire après que non, vous ne voulez pas d'ingérence. Si vous ne voulez pas d'ingérence, assumez-vous complètement. Il y a quand même aussi ce qui concerne le Togo, il y a une situation un peu curieuse parce qu'on a déjà des observateurs qui étaient là et des observateurs ici d'institutions quand même respectées. C'est En respecté, fait, la CEDEAO, c'est en respecté fait, sur ça. le continent africain, Non, c'est du l'Union n'importe africaine, quoi. c'est l'institution de référence. Non, c'est Et pas référence pour nous. Non, mais leur comportement ne montre pas qu'ils sont respectables. il y a la CEDEAO, puis il y a l'Union africaine qui ont salué ce qui s'est passé ici. Est-ce que vous avez vu des observateurs de la CEDEAO? Vous les avez rencontrés, certains observateurs? Mais Vous devez essayer de les rencontrer. qu'est-ce qu'ils disent? Non, essayez, moi je n'ai pas à dire. Essayez de les rencontrer. J'ai demandé aux gens de l'UF, cette semaine-là, faites un tour dans l'intérieur du pays, vous allez sentir le sentiment des Togolais par rapport à celui qui a été élu à 72%. Vous allez comprendre ce que c'est que. Mais quel est ce sentiment des Togolais? Non, allez-y. Non, mais en fait, vous. Mais les Togolais ne veulent pas de lui. Ne veulent pas de lui. Allez à l'autre, à l'intérieur du pays, vous allez le constater. Moi, j'étais pas à l'intérieur du pays, Bah, mais quand allez même. à l'intérieur, même à Lomé. Demandez aux gens de Lomé, allez à l'intérieur du pays, là où il a que 100%, demandez à la population comment ils se sentent par rapport à sa gouvernance. Alors, vous n'allez pas me dire que ces institutions qui, après la proclamation, comme on dit, des résultats précipités par la CENI, reconnaissent que les élections se sont passées, vous ne pouvez pas les qualifier de respectables. Moi, je connais des organisations intergouvernementales. J'ai beaucoup travaillé avec ces organisations et je connais leurs pratiques. Et j'ai même fait des observations d'élections dans ce cadre. Mais Pour quelle structure? J'étais député de Lyon, moi. Non, mais en J'ai fait, pas oui. passé. Donc, j'ai fait des observations dans le cadre de Lyon, moi. Et vous avez fait la même chose dans ces pays-là. Ah non, ça a chauffé entre nous et le groupe. Parce que, écoutez, dans ce cas, j'étais l'observateur qui a le plus visité les bureaux de vote. Un nombre élevé de C'est bureaux. dans quel pays? Je n'ose pas le dire, c'est en Afrique de l'Ouest. Ensuite, j'ai assisté au dépouillement. Dans un bureau de vote. Mais après, on veut faire un rapport en concluant que tout s'est passé normalement. Je leur ai dit, mais écoutez, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être très, comment on dit, sans pas ambitieux, et se surestimer. Combien de bureaux de vote on a visité sur plus de 10 000? Combien dans un bureau de vote on a suivi tout le processus du vote au dépouillement? Et puis jusqu'à la transmission à la CENI. Combien? Et puis on se permet, gaillardement, de dire que les élections se sont de bonne heure. Je regrette.
Il faut nuancer un peu plus ce qu'on dit. Mais vous pouvez voir les. Donc, je ne suis pas sûr que tous les observateurs soient partis. Essayez de rencontrer certains et vous entendez ce qu'ils vont dire. L'observation électorale en Afrique, en réalité, c'est une problématique qui est posée Oh. depuis quelques années. Ah Est-ce oui. que vous pensez qu'il faudrait carrément la supprimer? Je ne sais pas quoi dire, mais je crois que. Mais je crois que les gens doivent être assez honnêtes pour dire ce que, soit ils sont limités, ou bien de dire effectivement ce qu'ils ont observé. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter avec 7000 bureaux de vote, venir avec 100 électeurs et même parfois même c'est une trentaine d'électeurs et dire que vous avez observé quelque chose. Je crois qu'il faut mettre les moyens, si on veut faire des observations correctes, une observation correcte, mettre des moyens et avoir une période assez longue pour suivre tout le processus. Quand on retourne aux résultats donnés par la CENI, on a l'impression qu'on a un pays divisé. On a un pays divisé dans le sens où les résultats qui sont attribués aux candidats du parti au pouvoir, majoritairement dans le nord, c'est le raz-de-marée. Et puis relativement dans le sud, et ça se dispute beaucoup plus. Et comment comprendre cela? Parce qu'au début Non. des années 90, il y a l'épineuse question du vote ethnique, de la division nord-sud. Beaucoup ont dit que cette question a évolué, mais visiblement on a Non, l'impression que cette question demeure d'actualité. c'est pas l'indicateur qui va montrer que c'est d'actualité. Le vote technique, probablement, ça existe. Mais les chiffres qu'on a là, ça ne veut pas. Ça semble montrer que le Nord a publicité fort, ce qui est faux. Ce que je ne crois pas du tout en ça, du tout. Ce que moi j'ai vu, au Nord, ce n'est pas ça. Et donc, si vote ethnique qu'il y a, c'est fort probable. Mais ce n'est pas l'indicateur là qui va me montrer qu'il y a. Depuis, il y a Agbemé Kodjo qui conteste et qui manifeste. Et je ne sais pas, il lance même des appels à ce que les autres se joignent à lui pour réclamer la vérité des unes. Et que répondez-vous à cet appel? Alors pour moi, c'est la même chose que nous disons qu'il faut qu'il y ait la vérité des urnes. Que c'est ce que j'ai dit, je vais plus loin, j'ai dit aux gens d'aller là où les urnes sont stockées pour demander, pour être un peu plus ferme à ce sujet. Bon, évidemment, il faut qu'on réfléchisse sur les modalités, mais nous ne pouvons pas laisser le gouvernement avec ces résultats qu'ils ont proclamés. C'est totalement artificiel et cela montre que cela continue à diviser le pays. Bon, les esprits peuvent bon, penser que le Nord a publicité fort, ce qui n'est pas le cas. Les hommes du Nord ont souffert de ce régime comme les gens du Sud, et je crois que nous devons. Vous voyez, ce qui est très mauvais, ils essaient. C'est choquant dans la mesure où ils font tout pour montrer un pays divisé, alors que le Togo n'est pas divisé, que ce soit les mineurs, les gens d'Anéo, de Saint-Cancé. Personne n'a tiré profit de ce régime. Personne n'a tiré profit de ce régime. Et malheureusement, ils semblent montrer aux gens, les esprits vont penser que les gens du Nord aiment fort, aiment unir, alors que les gens du Sud n'aiment pas unir. C'est totalement faux. Il y a autant de gens qui aiment unir dans le Sud comme dans le Nord. Mais malheureusement, avec les résultats traficotés, on semble montrer qu'il y a une division du pays due au fait que certains aiment fort, d'autres n'aiment pas fort. C'est totalement faux. Et ça, c'est dangereux pour l'unité nationale. En principe, la Cour constitutionnelle doit valider ou non les résultats qui ont été transmis par la CENI. Il faut reconnaître que dans l'histoire politique du Togo, la Cour constitutionnelle est relativement allée dans le même sens que la CENI. Est-ce que vous attendez éventuellement à ce que la Cour constitutionnelle proclame les résultats tels que transmis par la CENI dans les prochains temps? Non, la probabilité que la Cour constitutionnelle proclame les mêmes résultats, à quelques nuances près, peut-être quelques 1 ou 2% de différence près, cette probabilité est élevée. Mais nous espérons, étant êtres humains, que pour la première fois, la Cour constitutionnelle va faire véritablement son devoir en annulant ces élections ou en demandant la vérification de ce qu'il y a dans les urnes. Est-ce que vous pensez sincèrement Ça s'est que passé au Kenya. mais ça s'est passé au Kenya, le Kenya n'est pas le Togo. Oui, chaque pays est particulier. Donc pourquoi le Togo ne peut pas faire la même chose? Vous pensez qu'on peut annuler les élections? J'ose espérer qu'on va vouloir pour la paix de ce pays, pour l'unité nationale et pour l'avenir apaisé de ce pays, qu'on puisse annuler ces élections. Depuis 1998, les résultats ont été contestés, mais par la suite, Au Kenya aussi. le pays est assez debout. Vous appelez ça debout?
Mais le pays ne s'est pas, le pays ne s'est pas effondré. Non, nous devons remercier Dieu que le Togo soit béni et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de troubles de violence graves. Et j'ose espérer que ce sera maintenu, mais que ce sera maintenu avec la vérité des urnes. C'est ce que je souhaite. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le mensonge. Dans le mensonge, ça c'est... Et puis, je me demande, mais quelle est cette éducation qu'on donne aux jeunes? Quelle est cette éducation où les jeunes vont penser que ce n'est pas la violence, le mensonge, les fraudes que l'on peut réussir dans la vie? Et moi, j'ai beaucoup peur. Il faut qu'on ait le courage à un moment donné de dire, de se remettre en cause, de dire qu'écoutez, on peut changer ce pays dans la paix et dans la réconciliation. Je rêve, hein, c'est un rêve, mais j'ose espérer que le Saint-Esprit va descendre sur nous tous. Ce qui se passe au Togo n'est pas nouveau, mais ce qui se passe au Togo n'est pas aussi nouveau en Afrique, puisque récemment, on a eu le même scénario au Cameroun, on a eu le même scénario au Gabon également, mais par la suite, tout s'est calmé, entré en ordre. Non, c'est pas entré en ordre, le Gabon connaît toujours une crise économique. D'accord, politiquement, on pense que ça va, mais la crise économique subisse. Et au Cameroun également, ce n'est pas rentré en ordre. Vous savez qu'il est complètement contesté. Il est toujours contesté. Quand il va à l'extérieur, vous voyez tous les problèmes qu'il a. J'ose espérer même que les Togolais à l'extérieur aussi vont commencer par imiter ce que les autres ont fait. On ne peut pas les laisser se faire en fait, avec en fait, nos ressources. Oui, mais imiter ce qui se fait à l'extérieur par certains compatriotes africains. Oui, mais en fait, est-ce que c'est un acte que vous approuvez? Je n'approuve pas, a priori, je n'approuve pas cet acte qui vient d'être commis. Si les gens sont prêts à revenir dessus, bon. Mais dans le cas contraire, moi, je crois qu'il faut à tout prix leur faire savoir qu'ils n'ont pas gagné. Qu'ils n'ont pas gagné. S'ils sont prêts, s'ils veulent qu'on recommence le jeu, on n'a qu'à recommencer le jeu. De manière claire, s'ils ont gagné, il n'y a pas de problème. À ce moment, je serai en paix. Moi-même, je serai prêt si je suis à l'extérieur. Si un de mes amis du gouvernement vient, je peux aller... Je peux aller le saluer ou bien je peux l'inviter chez moi. Les membres du gouvernement, notamment les ministres, plusieurs sont montés au créneau pour vous inviter à faire confiance aux résultats qui sont donnés. Non, mais je l'ai dit, je ne peux pas faire confiance à ces résultats. Je peux pas. Mais vous vous rendez compte que le ministre de la Sécurité générale de son État puisse se présenter en tenue d'un parti politique. Mais c'est incroyable, quel est ce pays? La loi, la Constitution lui interdit de mener des activités politiques, mais ça, ils passent outre. Mais eux, ils osent se montrer dans... C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Alors, vous voulez que moi, j'accepte de cautionner ces choses? Non, je ne peux pas cautionner. Plein d'officiers supérieurs étaient sur le terrain, ce que la Constitution leur interdit. Mais allez se montrer avec eux. Ils étaient sur le terrain pour faire quoi? Pour sécuriser? Sécuriser quoi? Aller faire campagne pour le Parti Uni, se mettre... dans la tenue d'Union, mais c'est une honte pour notre pays. Comment voulez-vous que les autres officiers, les autres armées, l'armée des autres pays les respectent? Que vous soyez... Mais vous, dans quel sens vous assumez la sécurité du pays? Mais en fait, le Togo est sécurisé. La preuve, mais les Togolais dorment la nuit, se réveillent le matin sans trop de difficultés. Et dans les autres pays? Non, mais en fait, dans les autres pays aussi, vous savez ce qui se passe. Quel pays? La Côte d'Ivoire? Le Ghana? Non, moi, je parle par exemple du Burkina, du Niger. Mais je vous parle aussi de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, du Bénin. Les gens ne dorment pas là-bas. Ils n'ont pas changé de gouvernement. C'est vrai que les gens dorment dans ces pays aussi. Oui. Dans une minute ou 45 secondes, les auditeurs vont intervenir dans cette émission. Mais ce qui préoccupe aujourd'hui, c'est la suite. Quelle va être la suite pour ce qui concerne le Togo? Comment est-ce que vous l'envisagez, le futur proche de notre pays? Le futur proche, j'ose espérer, comme je l'ai dit, hein, que nous puissions revenir sur nous-mêmes, avoir une lecture profonde de ce qu'on veut pour ce pays, un pays de paix, où le pays, tout le monde est réconcilié. Mais à cet effet, il faut nécessairement que nous, et nous les hommes politiques, nous sachions dire la vérité de tout ce que moi je souhaite pour ce pays. Mesdames, messieurs, vous nous écoutez sur Pyramide FM. Nous sommes avec le président du parti, Adi, le professeur Aimé Goguet. Il est arrivé quatrième à la dernière élection présidentielle au Togo. Il conteste les résultats, tout comme les autres candidats qui ont pris part à cette élection, à l'exception du président Faure Gnassingbé, élu
selon les chiffres de la CENI au premier tour. Nous avons maintenant les deux numéros pour les questions 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Je vais également lire les questions qui sont déposées par les auditeurs et les amis internautes qui nous regardent d'un peu partout dans le monde. Vous laissez votre question. Vous voudrez bien aussi préciser l'endroit depuis lequel vous regardez cette vidéo qui passe en direct sur Facebook notamment. Le premier auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, allez-y. Bien, bien, merci. Nous allons prendre un deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, votre nom? Oui, Dodi, allez-y. Oui, oui, on vous écoute. Bonjour, monsieur Dodi. Bien, merci. Dodi, un troisième auditeur. Allô? Après Dodi. Allô? On n'a personne pour l'instant après Dodi, donc nous allons permettre à notre invité de réagir sur aux deux questions qui sont laissées, notamment par Joshua et Dodi. Rapidement, monsieur Joshua, bon, effectivement, est-ce que nous voulons l'alternance ou bien qu'est-ce que nous souhaitons? Pour moi, je crois que beaucoup de Togolais veulent l'alternance. Même les gens du Nord veulent l'alternance. Mais malheureusement, c'est peut-être la méthode ou bien la voie adoptée qui diffère d'un individu à l'autre. Il y a des ambitions personnelles qui sont dedans. Mais globalement, les gens veulent l'alternance. Est-ce qu'on peut réussir à avoir une méthodologie commune pour arriver à cette alternance? C'est ça qui pose problème. Mais je crois que tout le monde veut l'alternance. Il y a des gens qui se moquent des participationnistes, comme on le disait, mais il faut reconnaître que ces gens étaient beaucoup plus nombreux avant les élections qu'après les élections. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est pourquoi j'invitais les autres qui n'étaient pas prêts, qui ne voulaient pas des élections, puissent se joindre à nous, ceux qui ont participé. En tout cas, pour qu'on forme un bloc, tous les Togolais qui veulent l'alternance pour arriver à l'alternance cette année. Et M. Dodi demandait que le gouvernement maîtrise le Nord, l'électorat du moins, et non le Sud. Je vous l'ai dit, d'abord, il ne faut pas penser qu'il maîtrise le Nord. Bon, c'est-à-dire que les électeurs du Nord adhèrent nécessairement à l'idéologie ou bien aux pratiques de Unir. Bon, c'est pas les fraudes, etc. Comment ils réussissent à le faire? Ils réussissent à le faire. Bon, d'un côté, peut-être il y a le vote ethnique. De l'autre, compte tenu du fait que ces zones sont moins ouvertes aux médias et aux médias internationaux en particulier, donc ils ont l'habitude de faire beaucoup plus de violence, de corruption et d'intimidation dans ces zones plutôt qu'au sud. Nous avons pensé, lors de ces élections, avoir suffisamment de moyens pour
pour contrôler ou bien pour limiter ces pratiques d'unir, mais malheureusement cela n'a pas été le cas. Donc ça leur a laissé la liberté de continuer de poursuivre la même chose. Mais lorsqu'on voit actuellement dans certaines zones du Sud, ils ont pratiqué les mêmes choses, hein, les mêmes, je crois que dans Tom ou bien dans certaines préfectures, ils ont pratiqué les mêmes, ils ont eu les mêmes pratiques. Je crois que bon, si les médias arrivent à bien couvrir, si nous avions eu les observateurs un peu plus dans le nord, je crois qu'on n'aurait pas vu tout ce qui s'est passé dans le nord actuellement. On retourne au téléphone, hein, avec les auditeurs. Allô, allô, bonjour. 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 Oui, votre nom et votre question. Oui, allez-y. Oh, excusez-moi. Bien, merci. Finalement, vous n'avez pas de questions. On va retourner au téléphone. Allô, on l'a, l'auditeur. Bonjour. Votre nom? Oui, Pelé, votre question. Bonjour, Monsieur Pelé. Pelé, s'il vous plaît, quelle est votre question? Parce que là, oui, en fait, oui, s'il vous plaît, C'est fort, hein? il faut pas monopoliser la parole, surtout qu'il y a d'autres auditeurs qui veulent aussi intervenir. Bien, merci. Après Pelé, on va insérer un troisième auditeur avant que notre invité ne réagisse. Allô? Votre nom? Allô? Oui, Oui. allez-y. Mais allô? De quoi elle est partie?
Ali a été coupé, Ali a été coupé, donc vraiment j'espère qu'il reviendra d'ici la fin de l'émission. Est-ce que vous voudriez réagir à quelques interventions que nous avons là? Non, je vais réagir. Il y a M. Pelé qui parle de concitoyens d'adversaires. Évidemment, il demande si Dieu est là, demande l'alternance et mon parti. Le choix est très clair, c'est l'alternance. Évidemment, je ne sens pas moi le parti, mais c'est l'alternance que nous souhaitons tous. Il se trompe en disant que nous ne voulons pas ce que la population veut. Si je suis candidat, c'était pour ne pas permettre à UNI d'avoir 95% ou 100% dans le Nord. Et il ne sait pas, il ne nous a pas suivi dans la campagne. Nous avons toujours dit lors de la campagne que si les gens ne veulent pas voter pour moi, ils n'ont qu'à voter pour un candidat de l'opposition et de ne pas voter pour UNIR. Donc nous sommes inscrits totalement dans l'alternance. Pour Ali, bon, ils disent qu'ils n'ont pas, je ne sais pas qui avait dit, si vous êtes un bon élève, c'est le premier intervenant qui a dit, si vous êtes un bon élève, on vous dit que vous avez triché, vous dites que vous n'avez pas triché. Bon, reprenez l'examen, on verra si vous avez triché ou pas, si vous êtes sûr de vous. Donc c'est ça, ils disent qu'ils n'ont pas, UNIR dit qu'il n'y a pas eu bourra d'urne. Nous disons qu'il y a eu bourra d'urne et nous proposons le moyen, la méthodologie pour démontrer s'il y a eu ou non bourra d'urne. Donc nous sommes prêts à nous soumettre à cette méthodologie. On verra ce que la vérité qui va s'en sortir. On retourne au téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? L'auditeur, est-ce que vous nous écoutez? Je crois que cet ami-là, il ne nous écoute pas. Allô? Allô? Ah, on a des... Allô? Oui, bonjour. Oui, votre nom. Ok, allez-y. Non, mais allô? J'ai pas compris la Oui, question. vous voudrez bien expliciter un peu? Bien, merci. Après Métiba, nous avons qui au téléphone? Allô? Oui, votre nom? Oui, allez-y. J'aimerais vous faire savoir que même devant moi, un délégué d'un parti politique dont je me casse, non, une femme devant lui. Au fait, le cas est tel pour prendre au moins 10 le fait comme ça. Il lui a interpellé en fait. Le gars voulait percuter et il a fait sortir son téléphone. Je vous dis que le téléphone a été perdu. Donc, même s'il y a tout ou pas, même si tu refuses de donner le téléphone, j'ai tout d'attente. Donc, c'est la réalité du pays. La question que j'aimerais poser à l'invité, est-ce que dans ce scrutin, le bulletin de vote finit? Le bulletin de vote finit et on demande aux électeurs de mettre juste les joies dans l'entrée de l'île pour retourner à la maison. Bien, merci. Après Rémi, encore un auditeur avant que notre invité réagisse, ne réagisse. Allô? Bonjour. Oui, Colani, comment vous allez? Bon. Bonjour, Colani.
Bien, merci. Nous allons donc permettre à notre invité de réagir d'abord à la question de Métiba. Métiba dit que le fait d'avoir contesté les résultats avant que la CENI ait proclamé montrait qu'on voulait contester a priori. Mais lorsqu'il y a eu des irrégularités, on pouvait le signaler avant la proclamation des résultats. Il y a eu des violences, il y a eu des fraudes, il y a eu des bourrages, et on pouvait le dénoncer. Ça ne veut pas dire qu'on contestait a priori. On conteste a priori par des faits. Deuxième chose, je n'ai pas très bien pour monsieur, pour Rémi. Généralement, on donne le nombre de bulletins de vote en tenant compte du nombre d'inscrits. Donc, généralement, ce que les bourrages commencent à se faire, lorsque les gens ont voté, généralement peut-être autour de 60%, le reste des bulletins, les gens votent sur ça. Et parfois, je me demande même si celui qui imprime les bulletins n'imprime pas un nombre trop élevé par rapport à ce qui est requis, et UNIR en profite pour avoir une partie. Bon, en ce qui concerne l'appel de Colani, c'est vrai, nous sommes, ce n'est pas parce que les USA le demandent, mais parce que nous aussi, nous l'avons dit avant, qu'on doit faire une vérification des bulletins de vote en SU. Et effectivement, il faut que tous les Togolais s'unissent pour revendiquer cela, la vérité des urnes. Et ça, cette fois-ci, il faut que vraiment nous soyons sérieux dans cet appel et que vraiment nous devons répondre à cet appel pour qu'une fois qu'on ait des résultats des élections qui reflètent la réalité. Il y a la question de Thomas Combé. Thomas Combé qui nous regarde depuis Paris. Est-ce que vous avez déposé, vous aussi, des recours devant la Cour constitutionnelle? Les recours, c'est difficile. Ils disent 48 heures. Évidemment, nous avons des preuves, mais c'est très difficile de les déposer. D'abord, compte tenu de la structure de la Cour constitutionnelle que nous avons. Mais nous allons déposer dépôts de faits. Nous allons mettre à l'épreuve la justice togolaise. Dans la mesure où dans beaucoup de coins, il y a eu violence, intimidation, et nous verrons ce que la Cour va, et les juges des différentes préfectures vont dire. Nous n'avons pas eu tellement confiance en cette Cour constitutionnelle pour déposer un recours. Il y a Bertrand Douty qui a dit de gommer sa question dans notre groupe WhatsApp. Quel message patriotique avez-vous adressé à vos frères de Dapaon qui sont des champions bourrages d'une, malgré leurs conditions de vie misérables? Merci à tous les Togolais. Mais vraiment, le comportement des Togolais, des jeunes, ça déçoit un peu. C'est comme si ça va bien. Mais évidemment, ça répond au comportement de l'être humain. Il y a beaucoup de... Si on prend un groupe d'êtres humains, 80% suivent seulement sans savoir. Il y a 10% qui contestent à tout prix. 10% bon, réfléchissent à leur intérêt. Donc tout ce que j'ai à dire à la jeunesse, que ce soit de Dapaon ou bien d'ici, c'est qu'ils doivent penser à leur avenir. Ce n'est pas parce qu'on leur donne 2 000 ou bien 10 000 qu'ils vont bourrer les urnes. Et malheureusement, c'est un travail, ça ne leur revient pas. Ça revient à nous les parents qui devons éduquer à nos jeunes, nos enfants, que vraiment le gain facile n'est pas généralement une bonne solution et que le vol, les fraudes, les intimidations ne permettent pas de bâtir une nation, une société unie et solidaire. Je crois que c'est le message que je dois donner. Que ce soit pour la population de Dapaon, d'où je viens, ou bien que ce soit pour la population togolaise en général. Le téléphone, pour continuer cette émission avec les auditeurs, je rappelle aussi les numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Allô, bonjour l'auditeur. Votre nom, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Après Betty, nous avons qui au téléphone? Allô? Bonjour, votre nom? Didoula, parlez aussi un peu plus fort. Didoula, depuis Adida Gomé, allez-y. Bonjour. Après, dites-le, on va
insérer un troisième auditeur. Allô? Bonjour, votre nom? Oui, allez-y. Ok, nous avons trois questions. La première question, c'est l'éternelle question. En démocratie, les unes ont d'autres moyens, des moyens autres que les unes pour arriver au pouvoir. C'est la question d'Agbéti. Quelle est votre réponse? Bon, le comportement du pouvoir indique que ce n'est pas facilement qui va laisser le pouvoir. Mais je crois que s'il s'engage dans cette voie, si il reprend les élections, ça répond un peu à Didula. Didula. Et s'il s'engage dans la voie de reprise des élections, donc ils savent que nécessairement ils peuvent le perdre. Et est-ce qu'ils vont facilement le laisser? Est-ce que l'armée va facilement céder le pouvoir? Je crois qu'avec la pression et l'aide, le soutien de la communauté internationale, je crois qu'ils vont le laisser. Si la population baisse les bras, évidemment, ils vont continuer à garder le pouvoir. Donc, j'ose espérer, et Agbéti pensait que, bon, est-ce que c'est le seul moyen? Pour nous, partis politiques, c'est le seul moyen. Mais maintenant, bon, il y a d'autres moyens que d'autres personnes peuvent l'utiliser. Mais en tant que parti politique, c'est le seul moyen que nous avons, c'est les urnes. Mais évidemment, les conditions ne sont pas bonnes pour nous. Mais je crois que la population dans son ensemble peut se saisir et les autres moyens sont disponibles pour la population. Sur les moyens pour arracher une éventuelle victoire en cas d'une reprise des élections, par exemple, c'est la question de Roland. Mais non, si le gouvernement accepte de reprendre les élections, c'est qu'il est prêt à céder le pouvoir. Et qu'il est prêt à céder le pouvoir. C'est ce que je pense sincèrement. Bon, évidemment, il faudra qu'on puisse s'organiser. Il faut que l'opposition puisse s'organiser pour gagner les élections. Et après, du coup, en ce moment, si on accepte de vérifier et compter une par une, pour voir ce qu'il y a dans les urnes et qu'on gagne, donc nous prendrons les dispositions pour que le bruit d'urne soit limité et que les résultats qui seront proclamés soient corrects. À partir de ce moment, le gouvernement va quitter le pouvoir et certainement qu'il ne va pas vouloir quitter le pouvoir facilement, mais une bonne organisation de notre part, des pressions de notre part vont permettre qu'il accepte quitter le pouvoir. Cette semaine, le candidat de la coalition ou bien de la dynamique Côte d'Ivoire a lancé un appel à une mobilisation, une manifestation qui devait avoir lieu au niveau du collège Saint-Joseph Bafon à Lomé n'a pas été autorisée par les autorités. Vous avez sans doute eu écho de ce qui s'est passé là-bas. Quelle est votre réaction à ce non, qui s'est passé? Non, certainement, n'oubliez pas d'abord que le domicile de M. Kodjo et de Mgr Kodjo ont été encadrés par les militaires pour les empêcher de sortir. Pour nous, c'est totalement regrettable qu'on limite tant les libertés individuelles. Vous avez fait des élections, vous n'avez pas gagné et les gens veulent manifester leurs sentiments. Il fallait laisser le faire. Je ne vois pas pourquoi on va sortir des régiments entiers de policiers, de militaires bastonnés. Vous avez vu l'image qui est passée sur les réseaux sociaux où des militaires tabassaient un jeune. Ça fait mal d'abord de voir cela. Et puis ça fait mal de voir que des jeunes Togolais soient là et laisser leurs camarades tabasser comme ça. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut violenter, il faut s'attaquer aux forces de l'ordre, mais il faut que les forces de l'ordre comprennent qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas pouvoir faire, qui sont interdites par les règlements. Et je crois que de temps en temps, il faut que la population montre qu'elle est prête à résister. Mais puisque la manifestation elle est interdite par les autorités, quelles devaient être les réactions ou les attitudes des forces de l'ordre? Il faut qu'on sache les... Vous savez, chez nous, on n'applique pas correctement la Constitution. Les forces de l'ordre ne sont pas obligées de respecter totalement ce que le gouvernement dit. Chaque individu, la Constitution dit que les forces de l'ordre, bien les agents des forces de défense et de sécurité, doivent savoir si les forces de l'ordre et les gouvernants respectent la Constitution également. Ils doivent savoir si
les ordres donnés par les gouvernants respectent la Constitution avant de les respecter, parce que c'est leur responsabilité individuelle. Parce que les gens qui ont attaqué, qui ont tabassé le jeune là, ils peuvent être poursuivis. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est passé. Ils pourront être poursuivis dans l'avenir. Parce qu'ils n'ont pas. Est-ce que, d'abord, un, est-ce que c'est le seul recours qu'ils ont? Est-ce que pour un individu faible qui n'a aucun moyen, vous pouvez le tabasser comme ça? Ça n'interdit pas la loi. Il y a la question de Kossi Amevoy. Il veut savoir si vous disposez, vous aussi, des PV pour éventuellement prouver que le pouvoir vous a triché. Bon, nous avons des PV. Je vous dis, dans certains coins où on a 101, 110, 115, 150% de suffrages exprimés, vous voyez, ça crée problème. Nous avons des PV, mais nous disons en même temps aussi que ces PV, on a, dans beaucoup de cas, on a violenté nos militants pour qu'ils signent des PV. On a fait sortir des militants, on a poursuivi des élections, on les violente pour qu'ils signent des PV. Ces PV n'ont pas nécessairement une signification assez correcte, mais nous avons des PV à notre disposition. Nous retournons au téléphone. Allô? 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 Oui, oui, votre nom. Didier. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Didier, moi, je n'ai pas très bien compris votre question. Je ne sais pas si le professeur vous l'avez compris. Didier, est-ce que vous voudriez bien expliquer plus clairement? Didier, il est parti. Didier, il est parti. Après Didier, est-ce que nous allons insérer un autre auditeur? Ah, l'auditeur, lui aussi, on l'a pas. Allô? Non. Professeur, est-ce que vous avez compris? Bon, j'ai un peu compris. Pour lui, il faut laisser le gouvernement continuer et faire et travailler avec, hein. Et pour nous, nous pensons que les élections permettent aussi d'avoir l'alternance, malgré les difficultés qu'il y a. On ne savait pas que les élections allaient donner l'alternance en Gambie. Ça a donné l'alternance. Et pourquoi pas au Togo? Le Togo est une exception, comme on le dit, mais c'est possible qu'on puisse y arriver. Et est-ce que, bon, peut-être il nous dit de mettre nos ressources pour créer des emplois, etc., etc. C'est vrai. Mais en même temps aussi, il n'a qu'à savoir que les conditions de la création des emplois dépendent aussi de l'environnement économique et des dispositifs juridiques qu'il y en a. Si le gouvernement empêche les gens de créer des emplois ou bien vous voulez créer une unité de production, vous êtes obligé de respecter les conditions imposées par des gouvernements. Il va de soi que la capacité de créer des emplois est très faible dans ces circonstances. Mais sachez que pour nous, les élections, c'est un moyen d'obtenir l'alternance. Peut-être que c'est difficile actuellement comme nous l'avons, mais nous devons montrer en tant que Togolais que notre capacité de nous mobiliser pour empêcher ce gouvernement de faire un énième coup de force. Nous avons encore un peu plus d'une dizaine de minutes et nous allons peut-être permettre encore à quelques auditeurs de poser des questions, notamment sur notre page Facebook et au téléphone. Est-ce qu'au téléphone, est-ce qu'on a un auditeur? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Mathéma. Oui, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Avant de s'agir.
Bien, merci. Oui, allez-y. Merci. Allez. Ah, on a compris, on a compris Nathéma, on a compris votre position. Après Nathéma, et on va encore insérer un auditeur. Allô? Comme là, allez-y. Bonjour. Bien, merci, merci beaucoup, comme l'a dit. Il va réagir à votre interrogation tout à l'heure. Un dernier auditeur, peut-être. Allô? Allô? Bonjour. Oui, votre nom. Emmanuel, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Bien, merci Emmanuel pour votre intervention ici. Après Emmanuel, on peut un dernier pour la route, allô? Oui, on t'appelle comment? Mais Nicolas, allez-y pour votre question.